Salut à tous les amis et bienvenue sur un nouvel épisode de Ragnablock. Ah, vous allez voir, aujourd'hui on va démarrer un truc de ouf encore. Alors, je vais vous montrer dans un premier temps. Donc le mur, vous allez voir qu'il a quand même sacrément avancé, même si le haut est pas terminé. On s'y attelle, mais comme vous pouvez l'imaginer, ça prend quand même beaucoup beaucoup de temps. Mais bon, on s'amuse bien, c'est sympa. En plus, on fait ça avec le copain, dans la joie et la bonne humeur, hein. Là, je discutais juste avec Cacao et Penpel. Ah donc qui sont là. Et donc Cacao d'ailleurs qui a été élu hein, le Jarl, entre guillemets, on devrait prononcer le Jarl hein, d'abord en langue normande. Donc du serveur, voilà, puisque comme notre ami ML fait une petite popose à son pépère pour l'instant. Hein, donc j'espère qu'on va le revoir revenir bientôt. Hein, notre ML national. Et donc du coup, Cacao a été élu Jarl du serveur. Mais en fait, il a déjà fait sa maison et tout. Mais moi je me suis dit, il faudrait quand même faire une maison de Jarl digne de ce nom, voire à la limite un genre de petit palais. Ah mais ça vous allez voir, bon je pense que de toute façon dans cet épisode on va le commencer, mais vu le taf qu'il y a, ça m'étonnerait qu'on ait le temps de le terminer parce que j'ai prévu quelque chose d'assez conséquent. Hein, vous commencez à me connaître les amis. Donc du coup voilà. Ah, je vous montre l'avancée des travaux. Ah quand même vous allez voir que le mur il avance et qui c'est qui est là-haut? Ouais c'est Cacao, tiens parlons de ça qui construit le mur, voilà, alors. On fait le mur. Je le vois là-haut. Voilà, bon, c'est assez folklore à faire. Donc du coup, voilà, il avance bien mon cacao. Ouais. Voilà, comme à chaque connexion. GG. Voilà, il avance bien aussi de ce côté-là. Alors on a mis des coffres un peu partout. Je vous montre quand même vite fait. Je vous montre quand même un petit bout du mur. Alors en fait, on a changé l'itinéraire du mur, hein, parce qu'il était vraiment trop grand. Et puis c'était un peu bébête en fait de le faire finir par là-bas. Donc du coup, ce qu'on a fait, c'est qu'on a changé un tout petit peu le. Je contourne le village hein, par le mur. Hein. Vous avez vu, tout le village, tout est par là. Alors ici, il y a une partie de raid hein, qui est un petit peu plus loin aussi là-bas. Et puis Iron qui est complètement de l'autre côté. Avec le village de Penpole, donc et Gazer entre au milieu là-bas. Voilà. Alors je vous montre quand même l'avancée, vous allez voir. Là il y a quand même pas mal de blocs qui ont été posés, c'est assez énorme. Alors il y a des petits projets qui sont en cours de construction et moi je me suis trouvé un emplacement, j'ai mis du temps. Hein. Mais j'ai trouvé un petit emplacement pour faire le palais, enfin la grande maison du Jarl. Alors ici il va y avoir un genre de terril, je sais plus qu'est-ce qu'ils ont dit là. Ouais, un endroit où ça qui étaient les tombes octogonales donc qu'on retrouve dans certains sites mégalithiques. Je me rappelle plus du nom. Comment c'est c'est une forteresse viking. Ah non, moi, tu vois, je me suis trompé. Voilà, moi je vais m'installer un tout petit peu plus par ici, à côté de la maison ronde là. Et donc là, il y a un grand terrain. J'espère d'ailleurs que je vais pas trop manger sur son truc qui est là. Enfin, que je fasse attention parce que moi je vais m'installer. Entre les deux ici. Hein, donc j'espère que ça va aller. Faut surtout pas que je dépasse là. Il y a la rivière qui est là, qu'il faut continuer à creuser. Et le mur, en fait, vous allez voir, il continue. Ouais, il va falloir que je trouve. Ouais, il va falloir que je trouve. Voilà. Le mur, en fait, on l'a fait continuer là-bas. Alors vous allez voir. J'espère que j'ai assez de place. Ici, il y a Red hein, qui veut continuer ce qui a continué ses constructions par là. Mais apparemment, ils vont continuer également tout par là. Je sais pas s'il nous a prévu de choper père, mais. Je pense que ça va être assez grand parce qu'il y a quand même de la place. Voilà. Et le mur, en fait, il va jusqu'à la mer, mais qui est plus par là-bas. Hein, ça continue. Bon, on va pas y aller, mais vous voyez, hein, ça fait quand même jusqu'à tout là-bas, jusqu'à ma maison. Hein, donc, ça fait quand même assez loin. Alors, je retourne à l'endroit. Je vais commencer à raser un petit peu les arbres. Ah oui, il faut que je récupère la ruche aussi, mais je crois qu'il faut que je fasse un feu de camp, tout ça. Bon, ben, on se retrouve à l'emplacement. On récupère la ruche. On fasse un petit sauvetage. Je vais aller me chercher à manger. Aussi parce que dis donc, là j'ai presque plus à manger et on se retrouve tout de suite pour le début des opérations. Du coup, alors on va se crafter tout de suite. Bim, tac, un charbon. On va se crafter un petit feu de camp, les amis. Voilà, parce que sauvetage oblige. Hein. Donc on va s'occuper de ça. Alors vous allez voir, la route la plus courte.
En fait, hein, pour aller au nouvel endroit qui sera ma nouvelle base, sans doute après, parce qu'elle est relativement centrale. Donc, c'est passé par la rivière, bien sûr. Alors, voilà, je prends des raccourcis de traverse. Hein. Des raccourcis de traverse, c'est pas mal. On dit des chemins, mais c'est pas grave. Alors, tiens, je vous avais parlé la dernière fois un petit peu de Rollon, hein, celui qui est considéré comme le premier duc de Normandie, hein, puisqu'en fait, c'était un chef viking. Hein. Et donc au Xe siècle, hein, il avait promis donc qu'il arrêterait les invasions vikings. Et donc du coup, il est considéré un petit peu comme le premier duc de Normandie un peu. Et ben en fait, c'était le premier jarl. Hein, il était considéré chef viking comme un jarl, le jarl de Normandie. Hein, d'ailleurs, il y en a eu deux, trois autres après. Alors le jarl n'est pas le roi. Hein, le jarl est plutôt considéré comme un comte, on va dire un petit peu au niveau français. Hein. Donc du coup c'est un peu comme un comte, on va dire. Hein. Donc quand même. Donc c'est pas le roi, mais c'est un chef viking. Alors, tiens d'ailleurs, de toute façon, au niveau des Normands, je crois qu'il y en a eu 2-3. Les descendants, donc ça devait être Guillaume Longue-Épée de mémoire et Richard sans peur, je crois, au Xe siècle. Hein, les trois, de toute façon, ont vécu au Xe siècle. Hein, donc voilà, en 900 et des brouettes. Et voilà, bon, ça c'était pour le petit côté historique. Allez, un petit feu pour les calmer les abeilles. On va éviter de se faire mordre, enfin à piquer plutôt. Les abeilles, elles mordent pas, elles piquent. Voilà, donc du coup, ça y est, ça fume. Personne va être méchant avec moi. Allez, bim. On récupère la ruche. Le feu, je peux le laisser là. Voilà, et bah du coup, ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais raser tout. Les arbres qui sont ici. Alors, par contre, j'ai vu un truc tout à l'heure. Faut que vraiment que je fasse attention parce que vraiment pas loin, il va y avoir un truc ici. Ah, c'est pas très loin. J'avais pas vu que là il y avait une base en machin. Et qu'est-ce que c'est qui va être là? Il faut aller voir dans les coffres. Faut faire attention à ce que je me mette pas trop près. Trailboard inspiré, mais je crois que c'est plutôt là. Ah, en fait, ça va aller jusqu'à là. Ça va être un assez gros truc du coup. J'espère que ça va pas l'embêter que je fasse mon truc devant. Bon, écoutez, il y a de la place, hein, je suis pas tout près non plus, mais. Parce que mon truc risque d'être un petit peu imposant. Bon, c'est pas grave. Allez, je rase toute la forêt qui est devant, les amis, et on se retrouve tout de suite après, en avant. Voilà. Et repartons. Allez! Je pars en expédition, les amis. Donc, je passe à côté de mon dracar. Ce que je disais avec Aaron, qui est en vocal avec moi, c'est dommage qu'on puisse pas prendre les dracars et aller se promener sur l'eau avec. Ça aurait été trop bien. Hein, mon ronron, ça aurait été trop bien. Hein, Ah oui, ça aurait été sympa, on aurait pu faire des petites joutes. c'est vrai. Il y a un mode, hein, je sais plus, c'est machin ship là. Une fois, j'avais fait un bateau volant, genre l'onde volant. Et... Mais bon, tout est en vanilla, donc du coup, voilà. Allez, je vais aller chercher de la terracotta au Mesa, qui est assez loin au nord-est, hein, les amis, et puis on se retrouve juste après pour attaquer la maison. Voilà. Ouais. Et repartons. Purée. Oh, purée. Bon, j'ai récupéré pas mal de terracotta normale, on va s'en occuper, je vais la cuire après. Et regardez, en fait, j'ai sauté comme ça. J'ai fait comme ça, j'ai sauté. Et puis, en fait, ça s'est joué à un bloc que je tombe dans la. Ah purée, comment j'ai eu chaud, c'était en direct ma troisième mort. Oh, j'aurais été vénère, je suis quand même loin de la maison. J'aurais perdu tout mon stuff, tout, je me serais retrouvé encore à péter au stock. Ça aurait pas été terrible. Hein. Allez, on rentre à la maison, les amis. Parce que c'est dangereux par ici. Hein. L'expédition viking est terminée! Ouais! Ça faisait longtemps qu'ils m'avaient pas soigné ces bestioles-là, purée. Bim, il reste plus qu'un. Attention, piqué à l'attaque! Il arrive! Et bim! Voilà. Ça s'embêtait. Oh, ma pierre! Et bien sûr, il y a les creepers qui s'y mêlent. Bon, je sens qu'on va aller faire dodo. Non, pète pas, pète pas, pète pas, pète pas, pas à côté de mes coffres. Oh purée, de crotte de bite, de crotte de bite. Allez-vous-en, mais est-ce que je vous embête, moi, sérieux? Ah, je vous embête pas. Bon, allez, petit dodo, et puis on va pouvoir commencer. Bien. Alors, du coup, le plus compliqué quand on démarre un bâtiment, en fait, c'est vraiment le début.
Parce que après, une fois que vous êtes lancé, que vous avez les dimensions, tout va bien, mais en fait, au début, c'est un petit peu chaud. Alors, ce que j'ai fait, c'est que là, j'ai regardé à peu près l'espace que j'avais disponible, et donc je me suis fait une petite marque pour avoir à peu près le centre. Hein. Le centre, grosso modo, il va être à peu près là. Bon, on n'est pas à deux blocs près, hein, mais grosso modo, mon milieu va être ici. Alors, comme on a un sol quand même qui est... je vais garder l'inclinaison, je pense que ça va faire joli. Moi, j'aime bien utiliser le terrain un maximum. Je trouve que les bâtiments qui s'inclusent dans un terrain, c'est quand même plus bon. Alors, du coup, en fait, on va avoir une grosse entrée à son pépère. Hein, quelque chose de relativement conséquent. Donc, en fait, il va y avoir un chemin que je vais faire le long là, qui va monter ici, comme ça, qui va monter comme ça. Et je pense que, du coup, je vais faire un sol qui va être à peu près à ce niveau-là. Je pense que du coup ça sera pas mal. Alors, par contre, il va me falloir de la cobble. Ah, j'en ai pas. Donc il va falloir que j'aille chercher pas mal de cobble. Et donc du coup je vais faire un sol. Bon, c'est pas, on va le simuler avec de la dirt. Je crois que j'en ai pas mal dans le coin. Si j'en ai là. Ok, donc je vais avoir un sol qui va venir à peu près à ce niveau là ici. Toc toc toc. Évidemment, il y a la torche pile poil où il faut pas. Voilà. Donc on va casser ça. Voilà. Je vous montre le début de la construction. Hein, pour que vous voyez le concept, comment est-ce que ça va faire. Voilà. Ici. Voilà. Donc je vais avoir mon milieu là. Et en fait, on va avoir deux grosses colonnes. Comme en fait, j'ai pris de la terracotta. Comme ça, j'en ai fait cuire. Ça cuit à la maison. Hein. Comme ça, que je veux faire des petits motifs. Je pense que ça va être joli. Du coup, il faut quand même qu'on fasse une entrée relativement balèze parce que c'est par paire, c'est par deux. Hein, donc du coup, ça veut dire que je vais faire des colonnes de 2 sur 2, donc qui vont être relativement costauds. Alors, je sais pas combien je vais laisser de chaque côté, mais au moins... je vais faire une porte d'au moins 9. Ouais, je sais que ça fait gros. 1, 2... si je vais faire au moins 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 en tout. Ouais, je vais laisser 11 entre chaque pilier. Ça, je sais que ça peut paraître beaucoup. Mais vous allez voir qu'en fait, ça va bien le faire pour donner pas mal de détails à ce que je vais faire. Donc en fait, ça fait 1, 2, 3, 4 et 5. Et bim. Donc en fait, je vais avoir mes colonnes qui vont être devant comme ça. Et là, je vais avoir... 1, 2, 3, 4, 5. Donc à la cinquième, c'est ça. Jusqu'à combien? 1, 2, 3, 4, 5 de libre. Non, c'est pas ça. Donc 1, 2, 3, 4, 5 de libre. Ok, c'est pas ça. Donc mes piliers vont être à peu près par ici. Bah, c'est vrai que ça va faire quand même costaud. Ouais, tant mieux, en fait, j'ai envie de dire. Donc je vais avoir 4 gros piliers qui vont venir à peu près par là. Alors j'ai pas fait trop les dimensions, je suis en train de réfléchir, je vais avoir une partie qui va s'avancer un peu plus, donc je pense que mes piliers ils vont venir à la louche à peu près par là. Si je fais des piliers à peu près là, je pense que ça serait pas mal. Attendez, je regarde par rapport à... je vais avoir une grosse avancée là. Ouais, c'est sympa. Je pense que si je les fais là, ça va être bon. Donc du coup, je vais avoir 4 gros piliers comme ça. Bim, bim. Et donc si je me trompe pas, j'ai bien 1, 2, 3, 4, 5... Et voilà, ça va faire 11 d'écart par rapport au centre. Ouais, c'est plutôt pas mal. C'est plutôt pas mal. Alors là, ce que je vais faire. Donc, évidemment, j'ai des gros piliers qui vont monter très très haut. Hein. Et pourtant, ça sera que l'entrée. Mais ça sera une entrée, en fait, sur deux étages. Hein. C'est-à-dire que je vais faire une énorme porte là. Au-dessus, il va y avoir un truc et tout, vous allez voir. Et puis, on fera une énorme coque en croisée. Une grande coque en arrondi comme ça. Un petit peu dans ce style-là, mais en légèrement différent, vous allez voir. Et il y en aura une encore au-dessus, mais ce coup-ci en transversale. Je pense que ça va donner un truc plutôt cool. Voilà, donc je vais chercher tout le matériel dont j'ai besoin, les amis. Je commence à poser quelques blocs. Et on se retrouve pour voir l'avancée des travaux. Bah, un petit peu plus que... En plus, je crois que j'ai pas de cobble. Il va falloir que je retourne miner. Crotte de pique. Bah oui. Bon. Faut que je tourne un peu quand même des étapes intermédiaires. Parce que là, je suis barré à commencer mes grosses entrées et tout. Et puis, après, voilà, on va dire, oh là là, on n'a pas vu les étapes entre deux et tout. Alors, j'y vais doucement. Donc, j'ai commencé à faire un escalier. Alors, bizarrement, je fais à l'envers. Hein. C'est-à-dire qu'en fait, je vais faire un sol ici en stone brick hein, pour montrer que c'est des grandes dalles et tout et tout. Et puis, je voulais vraiment avoir des murs avec un mélange de cobble et de bois. Je trouve que ça fait joli.
Voilà, un truc comme ça. Alors là, j'ai fait deux piédestals comme ça, donc avec des grosses torches de feu, comme ça, qui sont là, comme ça. Je trouvais ça sympa. Hein, je vais vous montrer vite fait. Donc c'est très simple. Hein. En fait, évidemment, là, c'est que le bas. Hein. C'est le bas, mais ça va quand même être un peu grand. Mais écoutez, c'est le but. Donc avec de l'herbe ici, tac, des torches pour bien éclairer, vous voyez. Et puis un genre de piédestal comme ça avec un truc. Alors là, je vous ai fait des formes un petit peu jolies. Je pense que je vais répéter ces formes-là sur les balcons. Je vais faire ça un petit peu grand. Je sais que ça fera des grands balcons, mais j'aime bien le concept, hein, avec des barrières comme ça. Donc ça fait joli, ça change un petit peu. Alors là, la place de la Dirt, ça sera des gros piliers. Il va y avoir des gros piliers en bois, hein, qui vont monter relativement haut. Et il y aura une avancée, hein, ça sera la première avancée, donc de cette entrée de ce palais du Jarl, hein, si on peut dire. Je sais pas qu'est-ce que je vais utiliser comme bois. Je suis peut-être pas trop foncé, je vais pas prendre du trop foncé, surtout qu'en plus je vais utiliser ça. Je sais pas ce qui va se marier le mieux, peut-être le spruce, remarquez. Et puis en plus je vais peut-être faire aussi des... Ah ouais, tiens, si. Bah tiens, on va faire des tests ensemble de pattern. Comme ça, vous allez voir, je pense que ça sera joli. Voilà, normalement c'est des colonnes tout sculptées, hein. Faut imaginer que ça sera des trucs tout sculptés. Mais nous, bah, les sculptés, on sait pas trop faire, hein, bien sûr. Hein. Alors du coup, je vais faire un truc avec. Bon là, j'ai utilisé des oak trapdoors parce qu'il y a des trous dedans. Donc du coup, on voit la cobble derrière et c'est vraiment l'effet que je voulais obtenir. Mais par contre, pour les piliers, on va faire des trucs pleins. C'est-à-dire qu'en fait, je pense que je vais le faire avec des spruces comme ça. Purée, la consommation. Vous imaginez, avec un stack, j'ai juste 20 trapdoors, quoi. C'est vraiment abusé. Voilà. Et en fait, utiliser peut-être des trucs comme ça pour le bas des colonnes. Je pense que ça ferait pas mal. Ça fait un truc un petit peu cerclé. C'est plutôt sympa, on va en mettre au moins sur deux d'épaisseur, hein. Comme ça va faire joli. Comme ça, hop, hop, hop. Voilà pour les colonnes. Et au-dessus, en fait, je vais faire un dessin avec ces trucs-là. J'aime bien comment ça fait. Ça fait chouettos. Alors, attendez, faut que je monte un petit peu comme ça. Faut pas que je filme aussi trop. Faut pas que ça dure trop longtemps. Alors, attendez, je sais pas dans quel sens ça va être. Si je les mets dans ce sens-là ici. Mon truc, il est comme ça. Non, c'est à l'envers qu'il faut que je le fasse. Ça va être compliqué, ça, cette histoire. Alors, attendez, je regarde dans quel sens. Ouais, c'est ce sens-là. C'est ce sens-là parce qu'en fait, je vais donner. Donc, celui-là, je l'ai mis en comme ça. Donc, c'est lui qui sera en bas. C'est-à-dire qu'en fait, lui, il va être comme ça. Ici, c'est ça. Voilà. Je veux que ça fasse comme des croix. Non, évidemment, c'est pas le bon. Ça, c'est celle qui sera au-dessus. Tac, tac. Bon, c'est pas évident à faire, mais. Voilà, là ça sera la croix qui sera dans ce sens-là, faites voir. Ouais, c'est bien. Je vais essayer de faire comme des croix, je trouve que ça fait un petit peu. Ça fait son petit effet. Voilà, bah non, c'est pas bon. Oh purée. Bon, bah je m'occupe de faire le petit dessin, parce qu'il faut tout essayer dans tous les sens, ça c'est un peu compliqué. Et puis on se retrouve dès que j'ai commencé à monter un petit peu ces trucs-là. Voilà, son pépère. Là. Bon, j'ai posé du cube. Bon, j'ai pas terminé. Hein. Donc j'ai fait un petit live entre-temps sur Twitch. Et donc évidemment, j'ai quand même avancé cette jolie devanture et cette entrée du Jarl. Hein, c'est juste une entrée, ça, en fait. Hein. Alors, par contre, je me suis rendu compte d'un truc. C'est que y a Jason qui est juste derrière. J'espère que. Mais en fait, je pensais pas qu'elle était si proche. Enfin, qu'il était si proche, qu'il était là. J'avais pas vu en fait la cobble. Donc j'espère que je vais limiter la dimension de la maison, hein, pour essayer de pas faire trop gros du coup et donc à ce niveau-là pas trop dépasser Crotte de Bic. Hein, donc j'avais pas vu que ça arrivait jusqu'à là. Bon, c'est pas grave, hein, c'est pas grave. En plus on est en vanilla donc on ne peut pas reculer ou déplacer les maisons, les objets. Mais on va faire au simple. Et puis, en tout cas, l'entrée est sympa. Alors, là, je vais rajouter des machins. Je vais rajouter des trucs. On va rajouter des grilles. Là, sur les côtés, pareil, je vais rajouter des petites arches comme ça. Donc, j'avance juste cette entrée, les amis. Je voulais vous faire un petit passage intermédiaire quand même. Hein. Donc, je remonte tranquillou. Mais le temps passe. Et je veux pas vous faire des épisodes trop longs. Alors, autant vous montrer un petit peu. Hein. Sinon, petit détail, vous avez vu les croix. Ça fait vachement viking. Hein. C'est pour ça que j'étais parti assez loin au nord, au nord-est là-bas.
Hein, donc pour aller chercher de la terracotta, de la faire cuire, avec du marron et tout, ça donne ces petits effets-là, c'est plutôt sympa. Allez, du coup, je termine mon avant-toi là, je termine cette partie-là, et on se retrouve juste après pour la fin. Ouais. Allez, on se retrouve pour la fin, les amis. Je suis en très bonne compagnie, puisqu'avec moi, il y a Kakaorum et Jason. Ça va, les hommes? Salut. Ça va. Voilà, je sais que vous êtes juste derrière, là, en train de revoir les dimensions. Les dimensions donc de la forteresse qui va être derrière. C'est my bad, hein, comme dirait Zera. Hein, vraiment, c'est moi qui ai mal calculé. Hein, donc, bon, on s'est arrangé avec Jason. Hein, Ouais. voilà. Au pire, ça sera une tartiflette IRL. Hein, je le dis en vidéo, C'est comme ça, ça. t'as des témoins. Tu pourras dire si tu me l'avais promis. Voilà. Donc, voici l'entrée. Parce que, bon, je voulais faire quand même un bâtiment qu'on voit du steak. Hein. C'est que l'entrée, en fait, ici. Je sais, vous allez dire, ah, ça y est, Walou, il a craqué son slip. Mais voilà, j'ai envie de faire un gros bâtiment. Un truc voilà qui soit sympa. Donc le palais du Jarl, du Jarl, on dit le Jarl, c'est vrai. Hein. Alors Kakaram il se dit, oh, je vais avoir une nouvelle maison. C'est trop bien, trop bien. Voilà, en tout cas, j'espère que ce petit épisode vous aura plu, les amis. Prenez bien soin de vous et rendez-vous sur deux prochaines aventures de Ragnablock. Bisous à tous, à tchou tchou. Salut.